Il s'est né. Vous comprenez? Il se laisse emporter. Il prend tout. Jésus avait le pouvoir de s'opposer aux cités du diable. Amen. Soyez toi-même. Ne cherche jamais à copier les gens. Soyez comme Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi. Comme moi je le suis, de Christ. Amen. Vous comprenez? Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Donc Paul, son modèle était Christ. Et il dit aux gens, imitez ma façon d'opérer, ma vision, mes idées, parce que tout ce que j'ai ici ne vient pas de moi. Tout ce que j'ai est le produit de Christ à moi. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, ne te laisse pas influencer par tout le monde. Vous devez avoir le pouvoir, par le discernement que Christ vous a donné, de s'opposer à d'autres idées. Ne s'adhérez pas aux idées des autres, mais s'adhérez aux idées de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Une personne influençable, il finit toujours par se laisser entraîner à penser comme les autres. Il y a des gens qui ne pensent pas selon eux-mêmes, mais ils pensent selon les autres. Cela veut dire, il y a des gens qui ont déjà trafiqué leur cerveau, leur esprit, leur cœur. Donc vous voyez la personne, mais en réalité, ce n'est pas la personne. Vous comprenez? Donc l'esprit que la personne là a, c'est l'esprit des gens, de Maria, de Louise. Donc cette personne-là n'est plus lui-même. Vous comprenez? Donc, les idées des autres ont trafiqué son cerveau ou son esprit. Celui qui utilise votre volonté, il a le pouvoir de vous détruire. Celui qui utilise votre volonté, il a le pouvoir de vous détruire. Le diable a utilisé la volonté de la femme. Et à la fin, il a fait quoi? Il a détruit la femme. Et il a détruit l'homme. Je vous avais dit dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Amen. Voilà pourquoi David dit dans le livre de Psaume 51, verset 10, David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Cela veut dire, crée en moi un cœur qui ne se laisse pas influencer par les choses extérieures, par les idées du diable. Non, crée en moi un cœur pur. Cela veut dire un cœur qui se laisse influencer par la parole de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu, non par les choses extérieures. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi. Renouvelle. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, vous voyez, David reconnaît qu'un esprit, l'esprit de l'homme peut être influencé. Amen. Mais pour que cette influence-là puisse sortir ou quitter le cœur ou l'esprit de l'homme, il faut que l'esprit de l'homme soit renouvelé. Amen. La Bible dit ceci. Lorsque la femme
Elle s'est laissée adhérer dans les idées du diable. Quand la femme, elle avait ainsi dit le Seigneur, elle avait la parole de Dieu, la femme ne croyait pas que l'arbre était bon à manger et à grimper à la vie. Mais lorsque la femme, elle s'est adhérée dans les idées du diable, dans la pensée du diable, et à ce moment-là, la femme a commencé à voir que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Mais lorsqu'elle avait la parole de Dieu, elle ne voyait pas que l'arbre était agréable à la vie et bon à manger. Non, 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 elle ne voyait pas ça. Vous comprenez? Mais lorsqu'elle a péché, lorsqu'elle a touché l'interdit, et à ce moment-là, elle a vu. Pourquoi? Parce que l'objectif du diable était quoi? De faire souffrir la vision de la femme, d'influencer la vision de la femme dans un sens négatif. C'est-à-dire de modifier sa façon de voir les choses, de modifier sa façon de voir Dieu, de modifier sa façon de voir l'Église, de modifier sa façon de voir la parole de Dieu. Et lorsque la femme, elle a écouté, et s'est adhérée dans la pensée du diable, sa vision de Dieu a complètement changé. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus une vision pire des choses de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà adhérés dans l'influence satanique de ce monde. Alléluia. Alléluia. Mais le fait de se laisser influencer par le serpent, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Cela veut dire, sa vraie conscience était endormie. Sa vraie conscience était endormie. Lorsqu'on a la parole de Dieu, on a une vraie conscience. Amen. Lorsqu'on a la parole de Dieu, lorsqu'on a ainsi dit le Seigneur, on a cette vraie conscience. Vous comprenez? Mais lorsqu'on pêche, lorsqu'on tombe dans le mal, lorsqu'on se laisse influencer, et c'est là où notre conscience fait quoi? S'endort. Amen. Amen. Maintenant écoutez, la Bible déclare, elle prit son fruit, en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous comprenez? Quand une personne est influencée, il est facile que cette personne-là puisse influencer l'autre.